Le secrétaire rédige le compte-rendu de la séance à partir des notes qu'il a prises lors de l'assemblée générale. Le procès-verbal doit être soumis par mail à la lecture des membres du bureau présents lors de l'assemblée générale pour validation. Le délai est fixé par le secrétaire avant validation définitive. Il devra ensuite être signé par le secrétaire et le président après la validation de l'Assemblée Générale par retour de mail. Ce rapport sera transmis au licencié par mail, exposé sur le tableau d'affichage du club et sera transmis à la Ligue. Le procès-verbal doit aussi figurer sur le site internet de l'association s'il en possède un. Le PV sera également archivé dans le registre de délibération du club. Le procès-verbal sera également archivé dans le registre de délibération du club et sur ITAC dans le menu paramètres. Pensez à faire la réactualisation des membres du comité directeur à la préfecture. Vous retrouverez en description de la vidéo le CERFA à utiliser.